regardé une vidéo qui s'appelle les meilleurs génériques de dessins animés de notre enfance des années 2000 à 2010. Durant la vidéo, dites-moi combien de dessins animés vous reconnaissez et on va essayer de ne pas être nostalgique, ok? Allez, on y va pour la vidéo. On va essayer de ne pas être nostalgique. Essayons. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Totally Spice? Oh. En plus, je connais un. Atomic Berry. Atomic Tout a commencé avec un mystérieux bracelet. C'est super d'avoir super pouvoir à son poignet. Oh non, je connais, tellement cool. C'est pas Benten? Benten? Depuis, on s'en est jamais Benten. Yeah! Yeah! Benten! Transformation! Oh non, ça je me rappelle de maintenant. Oh my god, ça fait longtemps. Vous vous le croisez, ne soyez pas surpris. Yo, Danny Phantom est tout juste ado quand ses parents inventent une bien étrange machine. La porte d'un monde que personne n'imagine. Il va tous les avoir percés, mais Danny Phantom, ça n'a pas marché. Ses yeux sont barrés, alors Danny a décidé d'essayer. Il y a eu comme un grand flash, tout s'est transformé. Ses molécules sont réarrangées. Je connais Danny Phantom. Et un son réveil. C'est pour ça que j'ai regardé beaucoup. Non, c'est pour ça que je connais, je pense pas. Je suis pas sûr de connaître ça, moi. Dinosaur King. Dora, mais oui, je connais Dora. Qui connaît pas Dora? Qui connaît pas Dora? Chaque partie porte son don de frisson, partage, foot de rue. Pour la compétition, symbole d'une génération. Ouh. Non, dites-moi qui regardait ça. Je regardais ça. Même si je joue pas au foot, je regardais ça et j'aimais ça. Ça m'a donné envie de jouer au foot en plus. Je foute de rue. Code Iyoko, ça me dit rien. Ça me dit absolument rien. Non. C'est le dame d'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est moi le plus petit des grands héros. Oh, ami, pleine de tout, ne solifie. Non, l'extrait me dit absolument rien. Si tu as des ennuis, on monte à l'assaut. Petit hamster. Pouvoir magique se fait pour 5 amis désormais. Sérieux? En plus, je regardais ça, mais l'extra ça ne me disait rien. He's on a mission. Dites Iron Man, bon. Mais je regardais ça, mais l'extra me disait rien. En plus, je lisais le livre. La bande dessinée à l'école, je lisais ça beaucoup. Oh my god. Oh, ça fait longtemps ça. Oh. Lorsque je débute pour la première fois, j'ai senti mon cœur s'envoler. Oui, tu es mon étoile, oui, l'éclat, mes partages, tu mes pensées. Quoi que je fasse, l'amour envahit mon cœur et il y met plein de bonheur. Donc il arrive, il dit rien. Oh,
Ça me dit rien. Quoi, il y a autant de dessins animés qui me disent rien. Non, ça me dit rien, Famille Pirate. Non. Grigri, bâton magique, c'est comme ça naturellement que Dorémy. Vit dans le fantastique, dans l'univers. Est-ce que j'ai manqué des bouts de mon enfance? Parce qu'il y a tellement. Il y a quoi? 5 extraits que je ne connais même pas. Dis pas que j'ai manqué des bouts de mon enfance là, mais non. C'est bon parce que. Ils sont pas diffusés dans le pays où je vis, c'est pour ça. Mais non, okay, on va continuer là. Je suis sûr qu'il y en a, il y en a que je vais connaître. Il doit y en avoir que je connais là. Oui, c'est toi. Oui, c'est toi, mon ami. Marsupilami. Oui, ça je connais. Avec leur longue queue là, ils s'accrochent sur les arbres. C'est genre des singes et tout. Oh, ça, je regardais ça. Ils sont jaunes aussi. Marsupilami. L'extrait est différent de ce que je connais. La petite c'est Marsupilami, Marsupilami, non. Bon. Marsupilami, dans la jungle, roi c'est toi, Marsupilami. Oh. Balance-toi, Marsupilami. Ah, je me rappelle de ça, il y a toujours un mec qui essaie de les capturer parce que les Marsupilami là, les singes là, ils valent cher, ils vaut cher, oui, ils valent cher. Donc là, il y a un mec qui essaie toujours de les capturer. Oh, ça fait longtemps, les souvenirs. Waouh, waouh. Là, on grandit tous là. Comment imaginer ce qui allait m'arriver? Tout s'est passé si rapidement, mais l'amour était si grand. Yum yum yum, serais-je à la hauteur? Aucune idée. Mais c'est des animés là, non? Pour sauver le monde sans jamais avoir peur. Perdu très loin de la terre, abandonné sans. Je connais pas Aubin Starters, je connais pas. Bon, cet extrait là il me dit quelque chose. Il y a des mondes pleins d'aventures, il me dit quelque chose. On va voir, on va voir. Oui, il me dit quelque chose, ça va, pitch. Ouais, ouais, je le connais celui-là, mais je regardais pas. Ma soeur regardait ça beaucoup. Mais non, je connais pas, mais je connais. Je connais pas, non, je regardais pas, mais je connais. Pitchy. Oh, wow. Bien sûr que je connais Pokémon, mais l'extrême ne disait rien. L'extrême ne disait absolument rien. Pokémon. Ouais, l'extrait que moi je connais, c'est Pokémon, attrapez-les tous. Pokémon, attrapez-les tous. Pas celui-là. Si j'avais entendu ça, j'allais directement capter Pokémon. Vous voyez, là, ça commence avec un. Je l'ai pas reconnu. Oh, je crois que les désirs, attrapez-les tous. Ouais, l'extrait, elle est différent. Les ninjas aiment les nouilles. Non, je connais pas ça. Ceux qui connaissent ça, ils doivent être nés en 1999 ou dans les années 2000, genre vraiment loin. Je connais pas ça. Ninja, Pouka, ils aiment les nouilles, non. Oh, Scooby-Doo! Ouais, Scooby-Doo. Je me rappelle de Scooby-Doo. Ça fait vraiment revivre des souvenirs là, ouais, c'est nostalgique. Scooby-Doo. Pour résoudre ce mystère, les amis s'apprêtent tout, pour nous aider nos jours. Quoi de Scooby-Doo? Quoi de Scooby-Doo? Oh. Enfin, toi, c'est tout. En plus, c'est l'ancien.
Il y a eu tellement de versions de Scooby-Doo qui sont sorties. Là, c'est l'ancien. Quoi de neuf, Scooby-Doo? Non, pas quoi de neuf. Mais Scooby-Doo tout court. Scooby-Doo tout court. Oh, waouh. Cette version-là, celle-là, elle est vraiment ancienne. Genre, c'est celle-là que j'ai connue. Là, le premier Scooby-Doo que j'ai connu, c'est celui-là. Là, il y a eu tellement de versions qui sont sorties avec de Velma, de la meuf, là, de lui, de Scooby-Doo. De... Et il y a même eu un film. Sinon. Ouais, il y a eu un film. Tu vas résoudre ce mystère. Oh. Panique à bord. Non, ça me dit absolument rien. Rats. Un rat, des rats avec des millions de fromages derrière eux. Non, ça me dit absolument rien. Je connais ça. Sammy Sam, les plus petits aigles. Non, l'extrait, ça. Oh my god, ça me dit quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de clocher dans ma tête là. Ça me dit quelque chose, absolument. Mais c'est quoi? Sammy Sam. Anos! Parole de barbe féroce! Oui! Sammy Sam! Waouh! Non, ça fait hyper longtemps! Ça fait hyper longtemps! Waouh! Sammy Sam! What? Je pense que ça fait 10, 12 ans que j'ai regardé Sammy Sam. Donc c'est pour ça qu'il y avait quelque chose qui clochait dans mon cerveau. Genre, je connaissais l'extrait, je connaissais l'instru. Sammy Sam, il y a quelque chose, ça me disait quelque chose. Je vois ça. What? Sammy Sam. Chez moi le plus fort. Ça fait tellement longtemps. Non. Shuriken School, non, je connais pas. Plus vite que la lumière, du coup. Sans même toucher tête, il court pour nous sauver. Il est le plus fort. Quand le risque est le maître à bord, il redouble encore plus d'efforts pour nous sauver. Il est le plus fort. Je connais Sonic. L'extrait, je le connaissais pas. Il est différent. Je sais pas c'était quoi, mais c'était pas celui-là. C'était pas celui-là. Je crois que j'ai toujours rêvé qu'un jour je deviendrais jolie. On dirait que ma chance a tourné, mais je reste qui je suis. Sourire mortel, ma vie devient compliquée. Histoire du cœur. Quoi? J'ai l'impression de l'avoir déjà vue, mais elle me dit rien. Deux, un. Tu peux percer les secrets de l'univers. Tu n'es pas fait pour garder les pieds sur terre. Ça me dit absolument rien. C'est pas juste. Ouh, ouh, c'est un rappeur ou quoi? C'est pas juste. C'est pas juste. Là, c'est quoi? Titeuf! À l'école, je lisais toujours les BD de Titeuf. Là, il est chelou. Il est... Je pense que c'est un gars qui aime beaucoup les filles et tout, et qui fait des trucs bizarres. Hein. Il lisait beaucoup de livres de Titeuf, là, des BD, pas des livres. Oh, Titeuf! Ah. Honnêtement, je savais pas qu'il y avait un dessin animé de Titeuf. Moi, je crois qu'il y avait juste les livres. Je crois qu'il y avait juste les BD, pas livres, juste les BD. Il y a un dessin animé, je n'étais pas au courant. C'est bon, j'ai... Je connais Totally Spies. Je connais Totally Spies. Je connais. Elvis sauvage, tapis dans le feuillage, parle aux oiseaux au passage et connaît leur langage. Elle défie les lois de la pesanteur. Et dans sa jungle à elle, elle n'a jamais peur. C'est la liberté. Non, je connais pas. Je connais pas tout bon. Tout. Le feu et la terre, l'eau et la bouchée.
l'extrême dit quelque chose. L'extrême dit quelque chose. Je sais pas c'est quoi, mais l'extrême dit quelque chose. On va voir si je connais le dessin animé. Wings, je regardais pas, ma soeur regardait Wings, mais j'écoutais toujours l'extrait, la musique, là, le début, le générique, et ça a fini par entrer dans ma tête. Wings, nanana. Mais je regardais pas, pas vraiment. Les meufs, c'est des filles qui ont des pouvoirs et qui sauvent le monde, non pas sauvent le monde, mais bon, j'ai pas regardé Wings. Bon, on continue. Wings. Wow, ça fait vraiment longtemps, genre, le beau temps, genre. Ça fait vraiment longtemps. Yakari, découvert sans tonner, petit tonner, vif comme l'éclair. Yakari, on n'a pas vraiment le temps de s'amuser. Normal, on est là pour s'améliorer. Pour y arriver, on s'entraîne sans rien. L'extrême dit quelque chose. L'extrême dit quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais ça me dit quelque chose. Ça a réveillé une cloche dans ma tête. On va voir si je connais. Puis, c'est ça la vraie académie. On veut gagner. On va tous nous montrer qui on est. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX! Yu-Gi-Oh! Je connais Yu-Gi-Oh! C'est genre Bakugan et les Beyblades. C'est dans le même délire. Oh, je connais Yu-Gi-Oh! Mais je sais pas beaucoup regarder. Oui. Nouvelle génération! En garde, mets-toi en garde. Oh, mon Dieu! Trop épiaque de crâneur de barjo de toqué. Mais pour tout chambouler, faut être un peu sorcier. Promis juré. Zoé Kezako. Non, je connais pas Zoé Kezako. Tâchez tous avec Zoé. C'est vous. Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. L'extrême dit quelque chose. L'extrême dit quelque chose. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser. Sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous. Le Galactic Football. Oui. Sur Aquilian, notre fluide s'appelle le fou. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart. Hé, Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Ouais, je connais Corneille et Bernie, mais j'ai pas regardé. Mais je connais, de nom, je connais. Oh non, je pleurais là. Hyper vitesse. Oh my god. Beyblade, j'en avais acheté plein avec mes amis. Il y a, ça fait longtemps, il y a comme 10, 12 ans, on en avait acheté plein. On achetait même la reine et on jouait, la voyait hyper vitesse. On faisait des batailles. Oh, Beyblade. Ça fait hyper longtemps. J'aimais toujours regarder Beyblade pour voir les combats, pour voir. Pegasus, je pense. Lui, c'est Pegasus. Il y en a plein. Oh, ça fait hyper. Dites-moi ceux qui ont joué au Beyblade dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires si vous avez joué au Beyblade. Oh. Power Rangers! Oh! Oh! Mia! Mike! Kevin! Emily! Antonio! Rangers! Go Power Rangers! Là, il y a eu tellement de versions de Power Rangers qui sont sorties, c'est devenu du n'importe quoi. Mais moi, la première version que j'ai regardée, je pense que c'est celui-là. C'est Super Samurai. Le premier que j'ai regardé, là. Là, il y en a eu 10 différents qui sont sortis aujourd'hui. Là. Mais bon,
waouh, go go Power Rangers. Ouais, est-ce que vous avez... ouais, ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment plu. Dites-moi dans les commentaires si vous ça vous a plu et dites-moi combien de dessins animés vous avez connu quoi. Dites-moi si vous connaissez tous les dessins animés ou bien combien vous en avez connu. Honnêtement, j'ai vraiment été nostalgique. J'ai le titre c'est une pète nostalgique, mais j'ai été nostalgique. Honnêtement, c'était trop. Ouais, il y avait vraiment beaucoup de dessins animés qui étaient dans ma tête. Genre qui étaient cachés dans ma tête. Et là, quand j'ai entendu les extraits, ça a réveillé. Ça les a ramenés. Ouais. Oh, wow. Comme Beyblade, Power Rangers, Titeuf. Non, Titeuf, je disais la bande dessinée, mais pas la. J'ai pas regardé le dessin animé. Oh my god, ouais, ça. Oh. Donc voilà pour la vidéo. Like la vidéo. Abonne-toi si c'est pas encore déjà fait. Et peace pour une autre vidéo. Oh non, c'est vraiment ouf. Oh, Beyblade. On a vu quoi d'autre? Yu-Gi-Oh. Oh, waouh. Je pense que je vais commencer à les re-regarder là. Allez, peace.